Manon. Bravo Manon. Alors, dis-moi tout à chaud. Je sais pas, c'est un super cheval, c'est un super propriétaire, c'est une super équipe. Je tire mon chapeau à Edouard qui le monte tous les jours. C'est génial. Je profite, je réalise pas, je sais pas, j'en sais rien. C'est génial. Tu viens de gagner le président de la République avec Hasard de Brayon. C'est quelque chose d'émouvant. Comment tu peux nous raconter ça ? Je sais pas, c'était un travail de longue haleine. Je fais un clin d'œil à M. Fertillet aussi, qui l'a créé, qui l'a façonné. Ils l'ont attendu. On a récupéré un peu le flambeau en cours de route. Tout s'est bien passé. La préparation a été excellente. Il avait le moral à bloc. Il était calme aujourd'hui. Et c'était son jour. Il l'a pas loupé. C'est génial. Et même si tu as gagné toutes les plus grandes courses d'Auteuil, mais le président, ça fait quoi ? Ça fait grand plaisir. Pas toutes hein, encore. Mais là, c'est un que je peux accrocher sur la liste. C'est bien. Alors, tu t'es baladé. Ah, bah, vrai, avec Manon, c'est super. Tu t'es baladé. Mais c'était quoi ton sentiment en trait de la ligne droite? Tu dis, putain, mais je vais gagner de 100 mètres. Oui, c'est ça. Mais j'avais peur, une fois, de prendre la tête qui s'arrête. C'est ce qu'il a fait un peu. Mais on avait tellement de marge qu'il allait au bout. Je pense que c'est un cheval qui vient avec l'âge. C'est un tout bon cheval. Rassure-nous, c'est pas la dernière grande victoire de ta carrière. On sait que tu vas l'arrêter bientôt. Rassure-nous. Non, il y a encore des courses à gagner, j'espère. Merci, James. Bravo. Et alors pour conclure, on sait qu'à Marseille, l'obstacle, oh, c'est plus très considéré. Et aujourd'hui, tu viens gagner une des plus grandes épreuves de l'année à Auteuil. Ça te fait quoi ? La fierté ? Oui, c'est la fierté de Marseille parce que ben voilà, on n'est plus beaucoup à faire de l'obstacle. Il y a maman, il y a nous et puis c'est tout. Donc non, on a l'hippodrome de Nîmes qui nous accueille quand on le demande pour la préparation des chevaux. Mais lui, il avait besoin de rien. Il avait besoin d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau et je félicite toute mon équipe parce que c'est vraiment un travail d'équipe et il faut les mettre en avant parce que c'est important, parce que sans eux, on n'est rien. Merci beaucoup. Bravo. Merci.